Aujourd'hui, sur le plateau de Fact Stories RCF, je reçois Alain Campello, artiste, militant et parallèlement commissaire d'exposition, et en particulier commissaire de Bazar 2016. Alain Campello, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes artiste, mais quel est votre parcours? Comment cette histoire a commencé? Ah, c'est une longue histoire, on pourrait dire, hein, mais bon. On a 7 minutes 30. On a 7 minutes, alors je vais passer rapidement sur l'enfance, hein, je crois oui. que ce n'est pas nécessaire. J'ai fait des études scientifiques. Mm-hmm. Ce qui peut paraître bizarre pour un artiste. Il y a beaucoup. Mais en fait, voilà, j'ai fait des études scientifiques et puis je me suis aperçu que ce n'était pas tout à fait ma vocation. Et je me suis ensuite orienté vers les beaux-arts. Donc j'ai intégré l'école des beaux-arts à Besançon à l'époque. Et je n'y ai pas vraiment trouvé ma place non plus, parce qu'à l'époque, l'art enseigné était, je ne sais pas si ça a beaucoup changé aujourd'hui, mais enfin, était très imprégné de la personnalité des enseignants. Oui. Si bien qu'il était très difficile de se faire une place dans... Les beaux-arts sont assez institutionnels. C'est voilà, c'est ça, dire. C'est oui. ça. Donc, il était très difficile de pouvoir s'exprimer vraiment. On était obligé de rentrer dans une forme de carcan qui ne me convenait pas beaucoup. C'était trop long comme étude par rapport à ce que vous attendiez? Non, c'était pas la longueur, c'était ce qui était imposé. Bon, je donne un exemple. À l'époque, aux Beaux-Arts, la référence absolue, c'était Malevitch, donc carré blanc sur fond blanc. Quoi. Bon, c'était pas tout à fait mon envie personnelle. Alors, hein, qu'est-ce que vous avez fait alors? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai quitté les beaux-arts, j'ai fait du graphisme, des décors de théâtre, de la peinture, tout seul comme un grand. Et puis, il s'est passé une chose importante. Là, on est dans les années 80. Il y a l'émergence de deux phénomènes technologiques qui sont d'une part l'informatique et d'autre part la vidéo. D'accord. Et avec ces deux médiums, je me suis dit là, il y a peut-être la possibilité d'ouvrir un nouveau champ d'expérimentation, mais en même temps de création artistique. Mm-hmm. D'expérimentation artistique, donc. Voilà, c'était la possibilité de créer de nouveaux univers, de nouvelles formes d'images. Et en plus, j'ai eu la chance à l'époque de rencontrer un vidéaste japonais qui travaillait dans ce domaine-là. Konakajima, pour ne pas le citer. Nous avons commencé à travailler ensemble et à expérimenter. Alors, où est-ce que vous êtes allé alors avec ça? Ah, alors je suis d'abord allé à l'INA, mm-hmm. où là j'ai intégré des labos de chercheurs, et puis ensuite je suis allé à Rennes, où il y avait un centre de recherche en imagerie nouvelle, qui s'appelait le CCETT. Et qui était c'est dans la recherche. Ça dépendait d'une part de la SFP et d'autre part de France Télécom. D'accord. Et donc vous retrouvez finalement un environnement scientifique. Un environnement scientifique, tout à fait. Et en même temps un potentiel de créativité nouveau. Alors. Oui, ça vous a amené à faire quoi? Ça m'a amené à faire des vidéos, à faire des images de synthèse, et enfin surtout à être chercheur et pionnier dans ce domaine-là, à développer des logiciels. Chercheur en création numérique? Voilà, tout à fait. C'est intéressant comme parcours. Voilà, c'est un petit peu atypique pour... Et donc, vous avez gagné votre vie comment alors? Alors là, j'ai créé une société avec des ingénieurs sur place. On avait créé une société de production d'images de synthèse. Il se trouve que dans les années 80, les moyens de production étaient quand même très, très lourds et très onéreux, si bien qu'on avait des coûts de production qui n'étaient pas tout à fait adaptés au marché de l'époque. Ouais. Si bien que cette société a arrêté ses fonctions. Vous êtes passé à autre chose. Oui, il fallait passer à autre chose. Donc là, j'ai travaillé comme réalisateur freelance, toujours dans ce domaine-là. Mais là, je faisais sous-traité. J'ai travaillé sur des images 2D en même temps. Donc là, vous avez vécu toute cette période en fait de l'informatique qui commence à passer à 2D, 3D. Voilà, tout à fait. Et vous avez sur la réalisation, vous avez travaillé sur quoi comme alors sujet? En tant que réalisateur, j'ai travaillé dans trois domaines principaux. Le premier qui était celui de l'architecture, parce que on était à l'époque très demandeur en images de synthèse. Donc j'ai travaillé dans le domaine de l'architecture. J'ai eu la chance de travailler avec des grands architectes, ce
qui c'était quand même... Qui particulièrement ou... Ah ouais, j'ai travaillé avec Jean Nouvel, par exemple, j'ai travaillé avec Calatrava, j'ai travaillé avec Foster, tu vois. Bon, c'est quand même des pointures. Et puis sur des très très beaux projets, donc ça c'était très bien. Et puis l'autre domaine sur lequel j'ai travaillé, c'était le domaine de du médical, avec les laboratoires pharmaceutiques, parce que là aussi, ils étaient demandeurs d'images nouvelles pour pouvoir... pour pouvoir montrer des fonctions. Très scientifique. Voilà, c'était très scientifique, oui, mais en même temps, on avait une marge d'interprétation. D'accord. Donc, on pouvait faire des petits bonhommes qui représentaient des molécules, qui représentaient des principes donc, actifs. L'image de synthèse pour l'explication, le didactique, le ludique, en fait. Voilà, donc, ça a été... Et puis, le troisième point, c'était que je faisais aussi des documentaires pédagogiques, en particulier des documentaires sous-marins. Des vidéos sous-marines avec... Vous êtes plongeur Oui, ouais, je suis plongeur aussi. Ça explique. Alors, justement, maintenant, avec tout ça, qu'est-ce que ça a développé chez vous, finalement, pour arriver à être artiste, finalement? Ah, mais j'ai toujours été artiste, parce que quand même, quelque part, j'étais dans le domaine de la création. Là, c'était juste le médium qui changeait. Oui, c'est ça. J'ai toujours fait des images. Oui, de toute façon, la réalisation, c'est de la création. Voilà, tout à fait. Ça, c'est clair. Bon, le seul truc, c'est que j'avais un peu laissé tomber mes pinceaux et mes couleurs pour me lancer dans Quand même toujours dans l'image. Dans cette nouvelle aventure, mais c'était toujours dans l'image, effectivement. On va passer une petite pause. D'accord, merci. Alors aujourd'hui sur le plateau de Factories RCF, je retrouve à nouveau Alain Campello, artiste, militant et commissaire d'exposition. Alors là, on va passer sur la partie un peu artistique. Comment est-ce que vous décririez votre œuvre et ce que vous faites? C'est peut-être un peu large, je ne sais pas. Ah oui, mon travail personnel. Bon, c'est une peinture figurative. Comme j'appelle une peinture d'évocation. Je travaille sur la mémoire et sur tous ces phénomènes. Pourquoi ce travail sur la mémoire? Parce que je trouve que c'est absolument passionnant. Le phénomène même de la mémoire est assez passionnant. Cette possibilité de recréer des images à partir de son souvenir, en fait. De ses souvenirs, mais en les recréant, parce qu'on sait très bien que les souvenirs, on les refabrique. Donc, quand je parle de peinture d'évocation, j'utilise des éléments disparates que je recombine entre eux de manière à recréer une nouvelle réalité. Donc, réalité... toujours la quête de la réalité, d'une réalité virtuelle Oui, on peut dire ça. Oui, parce qu'il ne peut pas y avoir de mémoire complètement objective. Donc, quelque part, on est dans le virtuel aussi. Oui, on peut dire ça aussi, oui, tout à fait. Alors, vos œuvres, donc, vous êtes peintre? Oui, je suis peintre. Oui, oui. Donc, qu'est-ce que vous utilisez comme matière ou comme peinture, comme couleur comme... Ah, j'utilise principalement la peinture à l'huile. Bon, chacun a ses petites recettes, hein. Tous les artistes ont leurs petites recettes, mais bon, je travaille d'une manière très traditionnelle. Mais je fais aussi des estampes numériques, parce que là, je retrouve mes vieilles passions. Donc, je travaille aussi à la palette graphique et je réalise aussi des estampes numériques. D'accord. Donc, vous travaillez sur quel genre d'environnement par rapport à ça? Qu'est-ce que vous créez? Quand vous créez en palette graphique, vous faites des impressions, vous faites... Alors, le principe de l'estampe, c'est que je travaille sur une palette, donc je dessine avec un stylo et j'utilise toute la palette d'outils que proposent les logiciels de création. Et à partir de là, je fais une composition. Et la réalisation finale, c'est un tirage, c'est comment ça se passe? Voilà, donc on fabrique une matrice qui est une matrice numérique, et ensuite on procède à des tirages qui sont limités. On fait un tirage limité, numéroté comme n'importe quelle autre estampe. Alors vous êtes artiste, vous vous dites militant aussi? Oui, parce que parallèlement à mon engagement artistique, à ma pratique de l'art, j'ai toujours voulu aussi conserver un lien
un lien social. Ça, c'est très important pour moi, parce que trop souvent, l'artiste est dans une tour d'ivoire. Et je pense qu'il est très important pour les artistes de se rencontrer, d'échanger, de partager. Et j'ai toujours œuvré pour permettre aux artistes de se rencontrer et surtout de montrer leur travail. Donc pendant des années, maintenant, je me suis occupé d'associations d'artistes. Je me suis occupé de faire en sorte qu'ils puissent exposer, de faire des propositions d'exposition, de salons, etc. Vous pouvez citer en fait des organismes ou des associations ou des choses. Oui, j'étais président d'un salon artistique parisien qui s'appelle Figuration Critique. Je m'en suis occupé pendant 8 ans, je crois, et je l'ai quitté simplement en 2005. J'ai quitté la présidence en 2005 pour faire un petit peu autre chose, et puis pour que le salon lui-même se renouvelle avec d'autres personnes, parce que c'est important aussi de ne pas se scléroser dans un principe. Tiens, ben là, je vois passer le nouveau président de Figuration Critique, monsieur Duvauchel, voilà, que je salue au passage. Voilà. Ça crée du lien. Voilà, je m'occupe aussi d'un autre salon parisien, qui s'appelle Comparaison. Donc là, je suis responsable d'un groupe. C'est un salon qui se passe, qui se produit au Grand Palais tous les ans. Donc c'est... Et puis, j'ai créé aussi d'autres groupes d'artistes plus réduits. Ces artistes, ces groupes dont vous parlez, ils ont des noms Oui, bien sûr. Bah, je ne vais pas les citer tous. C'est intéressant d'avoir des exemples. Je veux dire, Je pense que les artistes doivent aussi avoir du lien social. Et quelque part... il y a des structures qui proposent des expositions. Et puis, si vous voulez, c'est un peu une forme pyramidale. On a des très grands salons où il y a plus de 200 artistes. Et il faut, bien sûr, participer à ces salons. Mais il faut aussi participer à des salons un peu plus petits, où on est beaucoup, beaucoup moins. Et puis, il faut aussi participer à des groupes où là, on a plus d'affinités. Dans la réflexion, en fait. De la réflexion. Et puis, tout au sommet de la pyramide, bon, il y a les expositions personnelles. Mais je pense qu'il faut être présent à tous les stades de la pyramide pour pouvoir avoir un rayonnement et affirmer son travail, sa carrière. Voilà, donc il y a tous ces différentes strates que je... Donc c'est comme ça que vous avez aussi cette capacité à voir l'art dans différents types en fait, de compositions et de reconnaître des artistes dans différents domaines. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il ne faut pas avoir d'a priori. Il faut avoir l'esprit le plus ouvert, ne pas entrer dans des chapelles. C'est une catastrophe, les chapelles. Il faut avoir, bien sûr, des exigences de qualité, de sincérité dans le travail. Mais rejeter les chapelles, ça, les chapelles, c'est pas... C'est quand même toujours l'émotion qui guide. C'est l'émotion, mais l'émotion, elle peut être complexe. On peut avoir une émotion complètement, je dirais, sensuelle, complètement. Mais on peut aussi avoir des émotions intellectuelles. Intellectuelles ou de rejet, de plein de choses. Voilà. Donc, parce que le rejet, c'est aussi, ça fait partie aussi. Mais l'émotion, c'est quelque chose qui va nous titiller quelque part, qui va nous faire un petit peu vibrer. Et on peut vibrer, on peut avoir des centres érogènes très très. Non, mais c'est pas forcément. On peut avoir un titillage du cerveau, un titillage du cœur, un titillage de l'émotion. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est il titille, lui, là. C'est le président. Non, c'est pas le président. Ah non, c'est pas le président. L'émotion peut être très diverse, très diversifiée. Alors, on va passer une petite pause et on va parler de votre métier aussi de commissaire d'exposition. Voilà, c'est lié. Merci. Alors, pour cette troisième partie sur le plateau de Factstory RCF avec Alain Campello, artiste militant et parallèlement commissaire
d'exposition. Nous allons aborder en fait justement ce métier de commissaire d'exposition et puis peut-être justement se baser sur Bazar pour en parler. Comment est-ce que ça, vous êtes devenu entre guillemets? Oui, mais c'est pas un métier à part entière. C'est pas un métier. Non, c'est juste une activité parallèle à celui d'artiste quelque part ou celui de enfin en ce qui me concerne. Oui. C'est lié à mon militantisme pour la cause des artistes quelque part et mes responsabilités au sein d'associations. Voilà. Si vous voulez. Donc c'est le fait d'organiser des salons, d'organiser de connaître des artistes, de les proposer pour différentes manifestations qui amène à cette activité, on va dire, de commissaire d'exposition. Alors, Bazar. C'est des missions, en fait. D'accord. Vous avez été contacté pour... Voilà, donc j'ai été contacté par les organisateurs pour assumer cette mission temporaire pour assurer donc le commissariat du salon. Alors comment ça s'est passé? Comment est-ce que c'est vous qui avez géré tous les artistes? Comment ça s'est passé? Concrètement, tout simplement. Oui, si vous voulez, j'avais pour mission, parce qu'on m'a donc confié une mission, hein, donc mm-hmm. j'avais pour mission d'une part d'apporter et de faire une proposition d'artiste un peu extérieure à la région pour permettre de nouvelles rencontres. Oui. Aussi bien entre artistes que pour le public de Fréjus. Et donc ça pour une part. Et d'autre part, pour sélectionner une autre partie d'artistes à partir d'un appel à candidature. Voilà. D'accord. Donc en gros, c'était... Combien il y a eu de candidats? Comment ça s'est passé? Je ne les ai pas comptés parce qu'on a eu vraiment beaucoup de dossiers. Mm-hmm. Ouais. Mais c'était de l'ordre de plusieurs dizaines, quoi. Même plusieurs... Plusieurs centaines. Plusieurs peut-être. Centaines, oui. On n'était pas loin de... Ouais. Et alors, comment ça s'est fait? Commissaire, c'est ça aussi? Oui, c'est ça. C'est faire cette sélection. Et ça, c'est toujours très difficile parce que c'est toujours très subjectif, c'est parfois arbitraire, mais on essaye de maintenir une sorte d'équité ou d'exigence, on va dire, une sorte d'exigence dans les choix. Alors effectivement, ceux qui n'ont pas été sélectionnés peuvent avoir quelque amertume, mais on peut toujours espérer que c'est... Ils seront sélectionnés la prochaine fois. Mais si vous voulez, en ce qui me concerne... Il faut une grande connaissance, une grande culture aussi pour arriver à gérer ce genre de... Voilà, moi, en ce qui me concerne, je suis toujours intéressé par un travail personnel qui dans lequel on va reconnaître l'originalité de la création. On va reconnaître une personnalité d'artiste. C'est ça qui m'intéresse, d'une part. Et puis, d'autre part, il faut qu'il y ait un vrai métier, un vrai engagement en termes de pratique, si vous voulez. Donc, ça, c'est les deux critères essentiels. Et je dirais, pour synthétiser ça, j'aime les artistes qui nous présentent un univers, leur univers, avec un maximum de richesse. Voilà. Donc... c'est un petit peu abstrait tout ça, hein, de dire ça comme voilà, tout à fait. Non, et encore une fois, sans chapelle, sans exclusive, il faut oui, justement, travailler cette impartialité difficile à avoir aussi. Il faut aussi travailler sur la richesse des propositions, sur la diversité des propositions pour avoir un éventail d'artistes de toute sensibilité. Et du moment aussi, bien sûr. Parce qu'il y a aussi des choses qui se passent dans la culture et qui évoluent. Absolument, tout le temps. Absolument. Voilà. Donc c'est... Et ça vous a pris combien de temps de faire tout ça C'est un travail de combien de temps? Parce que ce salon, il a lieu tous les deux ans. Oui, j'ai commencé à travailler il y a un an avec l'équipe de Bazar. Et alors comment ça s'est passé aussi ce travail au quotidien, parce que c'est un accompagnement Oui, alors il y a d'abord la recherche des artistes dans mon propre carnet d'adresses, mes propres connaissances, puisque je devais
apporter de nouveaux artistes. Donc, parmi ces artistes-là, j'ai déjà fait une recherche. Naturellement, il faut les contacter, leur faire la proposition, etc. Et puis ensuite, il y a un appel à candidature. Donc, on reçoit des dossiers et on les examine attentivement. Vous avez un comité de sélection ou est-ce que vous faites une pré-sélection vous-même? Non. Nous étions plusieurs. Non, je ne fais pas une sélection exclusive. Non, mais c'est comme dans un festival de films, il y a le président du jury qui a effectivement eu un avis prépondérant, même si c'est un choix collégial, si on veut. Hein. Donc avec l'équipe de Bazar, on a regardé ensemble et puis voilà. C'est à la fois simple et à la fois compliqué. Il y a des sculpteurs, il y a de tout. Ah ben il y a de, oui bien sûr, il y a des sculpteurs. Il y en a combien alors ici qui viennent de d'ailleurs et d'où aussi à peu près. Alors voilà, alors là c'est vrai que la proposition, j'ai essayé de faire une proposition la plus large possible. Il y a des artistes qui viennent de tous les coins de France, vraiment sans exclusive, de la Bretagne en passant par le sud-ouest, le nord de la France, etc. On a un artiste qui vient exprès de Suède, on a des artistes belges, on a des artistes suisses. Voilà, donc j'ai essayé de... C'est très éclectique. Hein, quand même. Ah, mais non, mais ça, c'est un éclectisme géographique. C'est pour proposer au public de Fréjus. Et vous avez eu des retours déjà sur Bazar, justement, de ces artistes? Je crois qu'il y a quand même... Qui sont des gens qui sont contents, des gens qui... J'espère qu'ils sont contents dans l'ensemble. Est-ce qu'ils vous l'ont dit aussi? Est-ce que vous avez des retours déjà aussi par rapport à ça? Oui, bien sûr, heureusement, bien sûr. Et puis surtout le public, parce que on fait une expo, c'est pour le public. Et bon, j'ai eu des échos du public qui disaient que bon, cette année, ils étaient assez satisfaits de la sélection et du niveau des artistes présentés. Et ça fait plaisir au commissaire, évidemment. je crois qu'on va rester là-dessus. Je vous remercie merci beaucoup. Merci Alain Campello. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.